Bonsoir. Ah, bah dites donc, on a failli vous attendre. Bon, dites donc, non, 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 non. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, oui, évidemment, je ne peux pas parler de politique à non, cause c'est du CSA, interdit. C'est la règle. Sinon, je me tire les cheveux. Oui, mais je sais, donc forcément, je serai plus court. Mais selon les dires de certaines femmes que j'ai fréquentées, eh bien, je suis meilleur dans ces considérations-là. Je peux tout de même vous parler de ceci, en lien avec la politique. Dans les Côtes d'Armor, il y a un bistrotier qui offre un verre dimanche à chaque client qui aura voté. Ah, alors que on peut voter qu'une fois, c'est oui, c'est ça. Mais compte tenu du niveau de la campagne, c'est peut-être avant le vote qu'il faudrait offrir un verre à l'électeur. Mais bon, voilà, on verra bien les résultats. En revanche, je peux vous parler de politique américaine. À la Maison-Blanche, on a eu la fête de Pâques la semaine dernière. Et comme le veut la tradition, c'est un gros lapin qui s'est retrouvé sur le balcon à côté du président Trump. C'est sérieux. Et oui, et ce qui est drôle, c'est que CNBC a mis un bandeau en notant « The President of the United States left ». Pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Et c'est assez marrant. Passons à l'Angleterre. Terrible histoire, un bébé de 3 mois interrogé pour terrorisme. Alors, oui, on l'aurait entendu crier « Areu Akbar » un moment, mais en fait, en réalité, lors de la demande de visa, son grand-père s'est trompé et a coché la case dans le questionnaire de sécurité confirmant qu'il avait des ambitions terroristes. Alors évidemment, c'est pas de bol, vous voyez pas bien, et donc voilà. Même avec une couche bien pleine, on ne peut pas parler d'armes chimiques non plus, tout ça s'est arrangé. Passons au Canada. Canada, toujours dans les enfants, deux polygames dont l'un revendique 24 femmes et 146 enfants se sont retrouvés devant les juges. Alors, bah oui, c'est beaucoup, mais c'est surtout 146 enfants. Ouais. Excusez-moi, pourquoi encore punir ces gens Déjà, avoir 146 enfants à élever, ça me semble être une punition suffisante, je pense. Oui, c'est beaucoup. On est d'accord, c'est beaucoup. C'est trop, c'est trop. Sport, un match de tennis interrompu par les cris d'un couple en plein ébat. C'était un petit peu gênant. Oui, bah écoutez, je ne vous ai pas passé le son pour des raisons évidentes, mais je vois que vous étiez au courant. Là aussi, le CSA ne serait pas content. Le CSA n'aimerait pas. Cela dit, il subsiste un doute. Certains se demandent si ce n'était pas tout simplement Amélie Mauresmo qui jouait contre Monica Seles sur le court d'à côté. Hein, parce qu'elles avaient tendance à se laisser aller. Et maintenant, des brèves françaises. Je sais que vous aimez ça, ce qui se passe en France. Votre pays regorge de ressources. Oise, libéré après 7 ans de détention, il est interpellé sur le parking de la prison. C'est pas de bol. À peine sorti, le jeune homme a insulté le juge d'application des peines et proféré des menaces de mort contre les forces de l'ordre. Et bim, il est reparti dans l'autre sens. Il s'agit du temps de récidive le plus court de l'histoire judiciaire. Montpellier, contrôlé sans assurance ni permis, il accuse son sosie. Et c'est une bonne technique. Moi, je l'utilise et Hugh Grant ne m'en veut jamais. Dans les Landes... Oui, on voit des fleurs. Si, vous des fleurs, hein, si vous le faites pas vous-même, je me sacrifie. Il y a un air, hein, Adriana. Un tout petit. De loin. Tout petit, oui. Ivre, virgule, dans les Landes, il se rend en boîte de nuit en tondeuse à gazon. Pourquoi pas. Filles, ça peut marcher. Et si ça se trouve, en plus d'être ivre, ils avaient consommé de l'herbe. Donc il y avait une vraie cohérence. C'est logique. Jeu de mots. Oui, je ne peux pas parler politique, je fais des jeux de bonne merde, excusez-moi. Bah ouais, vivement que vous puissiez reparler politique. Oui, bah la semaine prochaine. Passons à une discipline qui, je pense, vous aura échappé cette semaine. Ça, c'est une discipline intéressante. Au Tréport, station balnéaire normande, regardez les images. C'est un craché de noyau, non? Oh, 2,85 m. C'est pas un craché de noyau, mais c'est pas loin. Craché de bigorneau. Ah. Oui, et pourquoi pas? C'est les petites, les petits escargots de on mer. Voit bien ce que c'est. Ah ben non, j'explique. Ah, pardon, d'accord. C'est le petit truc. C'est des trucs de mer. Arrête de parler de petits trucs, ça me gêne. Et le record, c'est quand même 11 mètres. Bah écoutez, c'est un sport commun. Je réalise pas bien. Mais on mesure pas l'exploit. On n'a pas tous les éléments. Essayer. Besançon, vêtu d'un cache-sexe, il frappe la vendeuse de brioche. Je pense que ça ne sert à rien d'ajouter quoi que ce soit à cette information. Et encore un ou deux après, je vous quitte. Des steaks de chat retrouvés dans le congélateur d'une retraitée. Ouais, c'est ça. La maman de Véronique Courgeot qui a voulu offrir un animal de compagnie à ses petits-enfants. Ça marche toujours, Véronique Courgeot, c'est rigolo. Et la dernière, de Belgique, parce que je me moque des Français, je me moque de moi aussi. Ouais. Un jumet, il tente de braquer un commerce,
fermé. Alors, évidemment, ça, c'est des braqueurs c'est belges. Ils sont toujours plus forts que tout le monde. Mais oui, ils étaient prêts, je vous lis l'article. J'ai pas changé un mot de l'article, on va le lire ensemble. Voilà, armé et le visage dissimulé, un employé leur a signalé que le magasin était simplement fermé. Vous ne pouvez pas braquer. Ils sont trop mignons. Ben oui, ben ils reviendront comme demain. Vous, hein. Voilà. Merci beaucoup, Alex, et bravo.